flottant en cocaïna. Un cheat code pour la crypto. J'suis tellement loin, futur est derrière moi. J'vois tout en mauvais PayPal. Le gros c'est pris de l'âge. J'suis pas tout seul à vivre, c'est nickel. Ouais l'équipe, c'est Amatopin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire la première écoute de la collaboration entre Dala, Booba et GSX sur le son PRT. Donc voilà, featuring 100% Piraterie, 100% Team Booba, donc ils font partie du label Piraterie, Dala et GSX, du label créé par Booba. Et on avait déjà pu les voir ensemble. Du coup sur le 10e et dernier projet de Booba qui s'appelait Ultra. Dala, c'était sur son Vue sur la mer, ça kickait bien, j'avais grave kiffé. Et après GSX, on l'avait déjà vu auparavant, là sur Mona Lisa, on l'avait vu sur Pompéi ou encore sur GTA. Donc voilà, des collaborations que j'avais appréciées. Franchement, les trois, j'avais bien kiffé. Donc franchement, très chaud pour ce trinôme un peu de featuring. Donc voilà, PRT, donc en référence à Pirate, Piraterie Musique, comment Booba justement appelle sa communauté un peu, et du coup par la même occasion un de ses labels. En ce qui concerne du coup la cover de ce son, donc voilà, on peut voir un mode très sombre, très piraterie, et voilà, les gars ils sont pas là pour rigoler, et sans doute que ça va kicker. Booba qui est masqué un peu, je pense pas que c'est pour le Covid hein, franchement c'est pour niquer des mères plus. Et voilà, Dala et GSX aussi, très vénère sur la photo. En tout cas, la cover me hype, elle est stylée. Donc on va voir ça. Je pense pas forcément que ça va être un son mélodieux comme on avait pu voir sur Pompéi ou Mona Lisa, même si c'est des sons assez tristes qui va avec l'univers de GSX par exemple, mais qui était pas kické de ouf. Là, je pense qu'il y a moyen qu'entre les trois là, ça débite un petit peu. Donc on est parti pour la première écoute du nouveau son entre Dala, Booba et GSX qui s'appelle PRT. Ton Dieu m'aime pas, le mien ne t'aime pas non plus. On sera jamais d'accord. New York et les Dubaï, tout l'été au quartier sur un 700 Raptor. Une métisse double D, mon goût, j'finis de régler le détonator. MD, j'suis un tapin la nuit, le jour j'suis Realtor. T'avais raison, mais j'ai le flingue sur ta tempe, maintenant t'as tort. Pas de pénurie, si te coller malgré bébé à bord. Cette pute croit pas en Dieu, j'te le dis, y'a que Dior qu'elle adore. Demande à Jules César, toute victoire c'est là-bas. Chez nous on joue pas en ligne, mais dans les langues de pute n'assument plus leur cap vérité. Le chargeur est plein pour allumer tout. Je leur mets mon POQ sans beurre de carité. J'suis pour l'extinction, pas de... J'suis dans ma grotte, j'recharge le GT. Un contrat sur ta ganache, la faucheuse. Hein? Ok, ok, donc qu'est-ce que j'ai pensé de la nouvelle collaboration entre Booba, Dala et GSX? Donc voilà, comme on s'en doutait, ça a kické sale, sale, il n'y a aucun refrain, ça enchaîne, Dala il commence, puis Booba, puis GSX. Donc voilà, j'ai bien aimé l'atmosphère du son, c'était en mode un peu freestyle, il lâche son couplet, tiens, moi je vais faire mieux quoi. Et je trouve que c'est bien réparti que Booba soit en deuxième partie, ça aurait même pu être en troisième justement pour terminer le travail. Mais les trois ont été bons dessus. Après, logique, Dala et GSX, c'est pas forcément... même si GSX, j'aime bien. Mais plus dans les sons mélodieux, en termes de kickage, même si le son est bon, c'est pas trop trop mon délire. Donc voilà, mais la qualité du son est là. Après, moi, personnellement, je suis pas hyper fan de ce genre de son. À la première écoute, c'est cool à entendre. Je me suis plus attaché justement sur les lyriques du son pour changer un peu. Et du coup, il y a eu 2-3 punchlines que j'ai bien aimé. Il y a Dala par exemple qui dit dans le premier couplet « Je crois pas au conte de fées, mais je crois au disque d'or ». Donc voilà, c'est assez amusant. Et aussi dans le couplet de Booba, une phrase qui m'a marqué. « Cette pute croit pas en Dieu, je te le dis. Cette pute croit pas en Dieu, je te le dis. Il y a que Dior qu'elle adore. » Donc voilà, assez marrant et c'est assez réel aussi que j'ai bien kiffé. Donc voilà, c'est un son de qualité qui met en avant justement les deux artistes qui sont signés sur le label Piraterie Musique, je crois, de Booba. Donc ambiance assez sombre comme la cover, donc on va dire logique le son. Moi c'est pas un son que j'ai forcément réécouté, après un coup c'était cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du son. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner juste ici et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Ouais l'équipe, c'est Amatopin, on est ensemble. Yes, I. C'est la rue du cas, je vois aider ma peste. La bombe dans sa caisse, à tout faire des caresses. Elle pull up des palais. C'est la rue du cas, je vois aider ma peste. La bombe dans sa caisse, à tout faire des caresses. Elle pull up des palais.